Mardi 20 juillet 2021, bonjour, bonsoir tout le monde. Pas oublier, si vous faites connecter sous canal ça, et bien, ou sous TV Lakay, son plaisir pour nous avec chaque grand fanatique, un ami, abonné, compatriote, supporter, quel qu'il soit, dans le coin où il est, dans le monde ça, et bien, nous déjà surtout bienvenue, ou Lakay, ou Vekor, parce que, ou sous canal information. Information nous portons pour vous, aujourd'hui à là, et bien, finalement, Ariel Henry, Premier ministre, président Jovenel Moïse, t'est nommé avant, eh bien, nèg examté assassiné. Eh bien, jodi à la, qui c'est 20 juillet 2021, Ariel Henry, lui-même, pral nommé premier ministre, en pays d'Haïti, et c'est que lui-même, déjà, remettre démission hier, 19 juillet, et puis, il y a un secteur démocratique là, tout, qui ont même senti, ou vexé, ou pas content, pour, gros décision ça, et puis, au fait qu'on est, c'est Messen Jean-Louis, qui lui-même doué, gérer question transition ça a affaire et premier ministre sans président par gué bagaille comme ça et bien André Michel voye pied en pilote nèg fâché et gien André et gien Moïse Jean-Charles qui lui-même et bien monsieur jeune poste ministre tout dans gouvernement ça a et gien et Simon Diesel Dera qui lui-même jeune poste tout en pilote nèg encore on va inviter gien détail dans vidéo ça restez connectés guys merci tout le monde pour confiance et fidélité nous n'a croiser encore pour une prochaine vidéo les prisonniers politiques les analyses commandées dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti Nécrologie, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, 23 juillet 2021, date prévue pour les funérailles du président Jovenel Moïse au Cap-Haïtien. La première dame de la République, Mme Martine Moïse, refuse toute subvention ou financement du trésor public. Haïti Nécrologie, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, 23 juillet 2021, date prévue pour les funérailles du président Jovenel Moïse au Cap-Haïtien. La première dame de la République, Mme Martine Moïse, refuse toute subvention ou financement du secteur du trésor public. Les analyses des commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti Santé, dossier coronavirus. La campagne de vaccination a déjà commencé en Haïti. Quel est donc l'état de la situation? Quel est donc l'état actuel de la situation? À quoi peut-on s'attendre? Haïti Santé, dossier coronavirus. La campagne de vaccination a déjà commencé en Haïti. Quel est donc l'état actuel de la situation? À quoi peut-on s'attendre? Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin Débat. Madame, monsieur, c'est ensemble de Professeur Claude. Nous allons faire débat sur vous. Nous allons faire discussion sur vous. Nous allons faire commentaires. Nous allons analyser ce mardi 20 juillet 2021 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 105. Également sur toutes les stations de radio. Où la télé émission pour également au niveau de la diaspora haïtienne. Bon mardi, bonne journée, bonne écoute à chacun de vous. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, jeudi, c'est mardi, et 20 juillet et 2021. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième sortie de l'émission Matin Débat pour cette semaine sur Radio Éclair, également sur toutes les stations de radio qui relayent l'émission Sahara. Donc, en province, également au niveau 2, la diaspora haïtienne, nous baguons un mot. Pour nous remercier, entre en fonction sans l'aide d'un président de la République. Pourtant, il existe trois chantiers à mettre en œuvre. La sécurité, les élections et le développement. Comment le docteur Henry pourra-t-il s'y prendre? Cependant, ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le docteur Ariel Henry et le docteur Claude Joseph Saronte se sont plutôt amusés à se voir un digne héritier du défunt. Ils veulent continuer à supporter garant de la mauvaise gouvernance. Qui comprendra que le docteur Ariel Henry, hissé par chance à la tête de la primature, est seul malgré ses 18 ministres. Sa sollicitude le rendra probablement donc très malléable et manipulable. L'homme âgé de 72 ans n'a-t-il pas l'obligation d'obéir aveuglément au blanc qui l'a protégé de la fougue du jeune docteur Joseph, alors qu'on ne s'attend pas à des merveilles? Aujourd'hui, le pays est vidé de ses institutions. Donc, à quoi servira la troupe du docteur Ariel Henry? À piller les caisses de l'État et à détourner les fonds publics? Qui comprendra qu'il serait tellement plus intéressant de mettre en place un conseil d'État de trois membres pour mettre en œuvre les trois chantiers prioritaires, sécurité, développement et élection. Dans un pays aussi
vide, parce qu'il est vidé violemment donc de son président. Un gouvernement ne s'installe pas. On bouge, on travaille tous ensemble. Point barre, Robinson d'Haïti, pour l'éditorial de ce mardi 20 juillet 2021. Donc, et M. d'Haïti est en contact avec nous. Donc, 44-54-57-57, et vous pouvez brûler pour les commentaires et rapport avec l'éditorial de ce mardi 20 juillet 2021. Parce que là, et maintenant, il y a 4. Nous avons une minute, nous avons une minute. Et nous avons une minute, nous avons une minute. Aïe, aïe, aïe. Nous avons menti pour moi, avec ça. On dit rien là. Ok, M. d'Haïti est moins rapide. Et ce matin, il nous connaît 24. Et monsieur d'Haïti, relez nous. Monsieur d'Haïti, relez le coup désir. Oui, oui, oui. Pour nous capables de faire commentaire. Là, ministère de l'Intérieur, il s'est dit. Eh bien, attendez, non. Ah! Vous avez ça? Vous avez Moïse qui quitté l'ordre, vous avez mourir. Monsieur! Eh oui? J'aurais Moïse quitté l'ordre, mais c'est lui! Pour avoir un bon chercheur tout le bagaille! Oui! Avant de mourir! Quel bon conseil, monsieur! Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue dans l'émission de la commune. Bonjour, à départ. Bonjour monsieur le Président, bonjour à monsieur Daïté César, bonjour au député Pierre-Marc Tétac, bonjour à José Ricudor, bonjour à toute l'équipe technique là, Baba, Sandri, Orlando, bonjour à toute auditrice, auditeur capteur de nous, son plaisir pour nous ensemble, jeudi, hein, pour nous commenter l'éditorial d'un, et qui titrait Docteur Ariel Henry, seul à la manœuvre. Donc c'est une question, est-ce qu'il est seul à la manœuvre, je me jure bien. Est-ce que Dr Ariel Henry est effectivement seul à la manœuvre? Est-ce que c'est vraiment donc la réalité? Bon, c'est ça l'habitude. Là, on a examiné, c'est une question, parce que nous connaissons le Premier ministre, là, et Dr Ariel Henry, il est rentré en fonction, mais pas compris tout le monde, la République a perdu la Jodian, c'est lui-même qui seul, ça c'est le premier point. Et, mais qu'on paraît peut-être que nous allons souligner et avec le Dr Ariel Henry, c'est que gain trois sentiers, je ne veux dire, pour nous mettre en œuvre. Gain ça veut dire la sécurité, les élections et le développement. Donc comment docteur Henri Pral fait pour vraiment mettre en œuvre trois sentiers ça? Parce que la sécurité elle est extrêmement importante, je ne veux dire, pour nous arriver vers des élections, évidemment, mais pour nous arriver vers un développement. Et je ne veux dire, il faut oublier tout, le peuple a très grand goût. Et on est tout, et bagaille assassinat, ça, il est vraiment éclipsé, et tout bagaille net. Même à coronavirus, même à ces peuples-là qui grouillent, chômage, etc., tout le bagage qui se met. Donc, si vous y allez en premier ministre, il faut nous rendre qui ça vient fait. Un bagage qui est extrêmement important, parce que c'est la sécurité, les élections aussi, et le développement, il ne faut que nous pas oublier ça. Et je trouve que ce sujet-là, à l'ordre du jour, nous ne pas parler de nous-mêmes. Et ça nous fait, ouais, depuis le président Ewassassinel, c'est que le docteur Ariel Henry et le docteur Claude Joseph, et sans que quelle honte, l'hôpital a mis pour lui montrer qu'il comme héritier Jovenel Moïse, président de la République. Là. Il a voulu porter au garant de la mauvaise gouvernance. Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier à cette mauvaise gouvernance. Là. Et il y a son pays qui mal gouverné. Donc là, les gars diront ça, il y a besoin de premier ministre, il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela. Est-ce qu'il voulait porter le garant de la mauvaise gouvernance? Parce que sa crise est là, et sous même solitude, et monsieur, en fait, le docteur Ariel Henry, pour me signaler que, et monsieur a hissé à la tête de la primature, c'est par chance. C'est par chance. Et, parce que là, il n'y a pas vraiment occasion pour le déaffirmer parce qu'il y avait la fougue. Est-ce que là, on ne peut pas questionner, en fait, l'immaturité de Claude Joseph? Parce que non. Son coup de théâtre, en fait, pour Claude Joseph, son coup de théâtre. Oui. Son gueule matin, la presse colombienne agite un dossier, en fait, qui sont faux dossiers contre Claude Joseph. Par contre, qui secteur qui était derrière, en fait, qui était derrière. En attendant de vérifier. Non, écoutez, mon frère. Par contre, qui secteur qui était derrière, donc, ça, la presse colombienne d'abord agité. Hein. Jusqu'à minuit, n'a pas l'air là, c'est un faux dossier. Ok? Et même si, écoutez mon frère, même si je dis, ou t'as des questions moi, sur la question Claude Joseph, est-ce qu'il implique dans la question assassinat Jovenel Moïse ou pas, mais il est un fait, c'est que il était demeuré, il était retiré, donc le premier ministre pays, il y a des possibilités pour le conflit international là, pour le arrêter, en fait, je dis comme premier ministre, ok, pour organiser pratiquement donc les élections. Est-ce que là, c'est pas immaturité Claude Joseph qui fait que je dis Ariel Henry, venu là, donc comme premier ministre, parce que dans un moment, pas de question à Ariel Henry du tout.
et où après quelque chose avec un support diplomatique tout pour dire donc blanc c'est club de Joseph qu'elle devait supporter ou du moins ce qu'elle devait comme premier ministre. Oui, bah, m'a signalé pour monsieur le président, vous dit bien dans bien mais on dit l'ordre jusqu'à présent c'est un faux dossier, c'est-à-dire en attendant de vérifier et si c'est un faux dossier parce que on connaît dans le cas d'assassinat et monsieur Jovenel Moïse là grand pile bagaille qui dit grand pile accusation. Si et le docteur Claude Joseph a impliqué, c'est bien. S'il implique tout, la presse a rien, la presse a témoigné pour le prendre, il y a plus de gens qui ont fumé. Et même ça, il y a des faits de monde, tout, il y a aussi des noms dans le cas d'assassinat, qui peut-être pas vrai, qui peut-être que sont prononcés. Donc c'est des accusations, ça fait toujours demander à nous quitter la justice, faire travail. C'est pas parce qu'il y a arrêté un monde, c'est parce qu'il y a cité non monde dans le cas d'assassinat, et puis il y a impliqué vraiment. Donc il y a des accusations de toutes parts, à nous essayer de quitter la justice, faire travail. On parlait de immaturité et du docteur Claude Joseph. Je pense que bon, peut-être que les immatures, même par l'éthique et l'immature, pas privé jusque-là. Je pense que le docteur Claude Joseph fait un pile bagage. Le jour même de l'assassinat, il est en mettre la l'œuvre, il est en présent devant la scène pour faire tout ça bien pour le faire et tout ça va bien pour le faire. Mais dans l'autre côté, c'est un docteur Ariel Henry qui a travaillé dans plusieurs interviews quand il dit et docteur Claude Joseph sont membres de son gouvernement. Il travaille aussi, le docteur Ariel Henry travaille aussi, mais étant donné que le peuple comprend qu'il veut croître en fonction, et bien, il est limité tout doucement et qu'il a travaillé tout au niveau de l'international et je me souviens en premier ministre. Et c'est ça, mais il faut comprendre que si je dis hein, le docteur Ariel Henry, premier ministre, il faut comprendre qu'il y a une dette. Et qu'on croit d'être jeune aujourd'hui, hein, parce que c'est le blanc qui le lui permet. C'est le blanc qui protégeait de la fougue. Et c'est d'être une fougue volcanique du jeune docteur Joseph. Donc, quand je n'ai pas joué, il paraît devant la scène. Et pendant plusieurs jours, le docteur Ariel Henry était obligé de taiser Jaoudi. Hein. Donc, les gondettes lui ont obligé, et le docteur Ariel Henry a obligé d'obéir, je me dis dans le texte là, aveuglement au blanc, parce que c'est lui-même qui protégeait. Et du jeune docteur Joseph qui était paraître et pas qui était espace politique du tout, parce que n'est pas de gens fin et ensemble. Et le docteur Claude Joseph et le docteur Ariel Henry n'est pas de gens Antonio qui était géré crise et qui était une guerre après assassinat M. Jovenel Moïse. Je ne veux pas dire ça parce que bon, je ne comprends pas vraiment comprendre ça qui a privé là, parce que M. a monté avec 18 ministres environ, donc malgré 18 ministres liés, lui seul. Pour qui ça? Parce que le pays est vidé de ses institutions. Ce n'est pas une institution, mais c'est le vide. C'est le vide autour de nous et c'est le vide autour du docteur Ariel Henry et c'était le vide également autour du docteur Claude Joseph. Non sur la privée du docteur Claude Joseph, même qu'arrivé le docteur Ariel Henry. Je n'ai jamais dit hein, à qui ça a servi trop docteur Ariel Henry. Hein, pas qu'à faire. Est-ce que c'est le même dynamique-là, piller quelques états, détourner son public? Ça, il faut le comprendre parce que nous avons vraiment dit ça. Il faut aussi mentionner, monsieur Laïti, donc les compétences de cette classe politique aussi. Mais bien sûr. Et bon, le mot incompétence peut-être les trois fois pour nous dire, parce que nous passons. Vous dégagez placer par ça. Vous dégagez placer par l'avarisme. Il y a des gens qui sont extraordinaires dans la classe politique là. Non mais pas qu'ils soient, pas qu'ils soient des gars. Écoutez. Monsieur Laïti, pas qu'ils soient des gars remplacés. Faut nous qu'ils soient lui. Je dis un gain Ariel Henry et vous regardez le secteur démocratique là qui a plein là jusqu'à présent. Gain Ariel Henry, gain Claude Joseph. Est-ce que classe politique qu'il a tout pas responsable? Mais bien sûr. Ok. Bien sûr, mais t'es toujours capable. Comment on va présenter? Est-ce qu'on va présenter comme en fait une classe politique qui n'est pas compétente ou bien une classe politique qui est tellement avare du pouvoir, ou besoin de pouvoir tellement, et qu'il y a gourmand entre eux jusqu'à ce pas 40 ans pour sur la presse Jovenel Moïse. Et de fait, Ariel Henry, qui est Ariel Henry, Ariel Henry, c'est un produit double. Ben impose Ariel Henry, et ceci, dans la figure de tous les politiciens, politiciennes, donc les gens qui ont fait politique partout dans le pays. Alors, monsieur le collègue, il ne faut pas aller couvrir si c'est compétence ou bien incompétence. Ouais, la première dame, Maxime Moïse, il dit comme ça, il n'a pas besoin d'un goutte. La caisse de l'État pour obsèque national et Maril. Oui, mais c'est normal parce que, écoutez, Mme Martine Moïse n'est pas imbécile. Parce que, pas oublier, je veux dire, dans la circonstance que nous y a là, M. Daïti, quel que soit dollar
qui dépense dans le cadre de funérailles, président Jovenel Moïse qui passait mal là, sous le dos qui va la guerre, c'est sous le dos Martin Moïse. Oui. Non, même si, même si, même si, même si, même si, un secteur parallèle qui t'a débloqué en cob, ok, pour funérailles, président Jovenel Moïse, et que et ou qu'on est ici, c'est dans ça au plus fort. Voilà, okay. Voilà, parce c'est là que nous dit que des bonnes précautions. Pour dire que, écoutez, qui ça, comme si Martin Moïse va faire un ok, on est capable de faire un thème, Moïse. Mettez l'argent dans le poche, mettez gaz dans la machine, vous n'avez et puis c'est fini. Ok, payez hôtel, payez restaurant, payez manger, vous n'avez pas comme si Martin Moïse va faire un chance à ok, mais elle est très prudente. Parce que s'il pas prendre décision ça, ou t'as pas qui gagote, mais ou t'as pas fait dans la trésor public là, sous deux enterrements, voilà. Sous deux Martin Moïse, et quelque chose d'eau là qui t'a dépensé, hein? C'est Martin Moïse, c'est sous deux qui t'a vint tombé. Décision Martin Moïse là, il révèle nous en plus de bagages. Il révèle nous parce que Martin Moïse connaît eux, ouais, parce que c'est première dame alliée, eh il connaît eux l'habitude en côté, il connaît que c'est volé. C'est ça que je m'a tellement préparé de compétences ou incompétences, ou de la compétence en bon langue, de la compétence ou volé. Martin Moïse connaît que c'est volé, il n'est pas prendre route. Mais comme on a dit dans le propos introductif au matin, et l'autre a fait l'ouvrir l'émission, on a parlé de assassinat. Qui plus divisé les Haïtiens au lieu qu'ils mettaient ensemble. C'est exactement ça. Mais fuck, première dame, la Martine Moïse, qu'on est cadavre Marie-là, c'est cadavre pas nous tous. Parce que c'est nous tous qui en deuil, c'est pays. Parce que cadavre-là, c'est pour l'État lié. Fuck, Martine Moïse, la première dame, a substitué d'être liée à l'État. C'est pas dans la place de l'État. Faut qu'on ait ça tout. C'est-à-dire que nous comprenons la décision-là parce que nous connaissons la navette en volet. Tout le monde qui était là dans le pouvoir, qui parle organisé, qui fait comité pour faire cette nationale, etc. Qui s'accorde pour le voler. Mais de l'autre côté, tout, Martin Moïse comprend que cadavre, ça son cadavre de haut niveau que le cadavre là est, et que le cadavre là appartient à l'État. Et que normalement, l'État est capable de charger des obsèques nationales. Très bien. Ok, bon. Maintenant, à qui ça nous capable d'attendre nous avec justement ce nouveau cabinet ministériel, également ce nouveau Premier ministre? Bon, je ne sais pas qui ça nous caractère, non, mais pas des merveilles. Pas des merveilles. Parce que, au point de nous-mêmes, nous sommes bons, nous sommes parce que, un pays qui vide, moi, ça, son pays qui vide, et pour qui ça, beaucoup plus parce qu'il est vidé, son pays qui vide violemment de son président. Bonsoir, Rosa, et puis président de la République à mourir, qui va mourir, la Cali. Est-ce que nous sommes capables de prendre un gouvernement qui est installé? Le Valestalon, nous, son directeur général, le Haïtien, le Valestalon, comme directeur général de l'économie. Je l'avais dit, ils ont installé pour être capable de jouir des privilèges. Et c'est exactement ça. Ce gouvernement qui va, qui en fait qui s'installe, c'est un gouvernement qui est installé pour pas faire ben, moi dit Salvédian. Moi dit Salvédian. Mais imaginez-nous un gouvernement qui est installé pour prendre les îles, au moins pour piller quelques états, pour détourner les fonds publics, et puis pas faire le peuple là. Donc je veux dire, ça qui est important. C'est que nous devons bouger, nous devons travailler tout ensemble, tout le monde ensemble devons travailler, et puis pour tout barre, regarde le gouvernement par l'installer. Et là, nous devons signaler au bagage que nous manquons d'oublier, pour qui ça, de préférence, au lieu que nous mettions Dr. Ariel Henry, Premier ministre, pour qui ça, nous avons un conseil d'État. Nous avons un conseil d'État de trois membres. Par exemple, il y a un accès au ministère de sécurité, il y a un développement, il y a une élection. Oui, mais pour le conseil d'État, monsieur Daïti, donc c'est classe politique qui peut entendre sous ça. Voilà. C'est pas compliqué. Regardez, madame, monsieur. Regardez sur la table des négociations. De petites propositions à gauche et à droite. Chaque nègre a une proposition nommée. Chaque monde a une proposition. Écoutez, sur la table, c'est ma proposition qui manquait. Chaque nègre a une proposition. Et mon truc, c'est que. Il n'y a pas de gens qui ont entendu sur un ensemble de propositions ou du moins sur une proposition. Parce que chaque après aller de sous deux, et bien deux faits de ça passé. Blanvinil décide. Et bien l'impose à Ariel Henry, avec justement un gouvernement. Donc, écoutez, la question que nous devons se poser là également, donc monsieur d'Haïti, en termes de régime politique, on a eu en fait un exécutif bicéphale. Je dis à un exécutif monocéphale. Est-ce que le monocéphalisme, est-ce que l'on est en coutume nous comme haïtiens? Il y a autant de questions à se poser quand même, madame, monsieur. Nous avons expérience inédite là, et ça fait d'apprécier moi-même au lieu que nous votre ministre, nous avons un conseil d'État de trois mois pour nous adresser aux problèmes qui liés à trois axes prioritaires, sécurité, développement et élection. Mais bon, pas ouais, monsieur le président. Ouais, si le gouvernement 18 mois là,
c'est pas des pieds ou des pieds, il y a pile à pile. Parce que nous souhaitons vraiment des élections, comme si l'élection qu'a fait là, pour l'année 2021, mais ça fait carré là, mais ça fait carré l'argent, mais ça fait carré pied qu'est l'État. Soit on est dans un faux filet qu'on a rentré dans le gouvernement, on va bien passer là pendant plusieurs années. Comme on va le faire. L'argent va le faire. D'ailleurs, parti politique, qui est ministère dans le gouvernement, ça, c'est l'élection qu'il va préparer. Parce que le ministère va donner pour préparer l'élection pour eux. Parce que quand même, comme vous parlez, nous allons vers les élections. Même s'il va faire en septembre, il va faire en novembre ou peut-être l'année prochaine. Mais quel que soit le parti politique là, qui est dans le gouvernement, ça, qui est ministre ou qui est ministère qui l'a dirigé, c'est l'élection qui va préparer pour lui, madame, monsieur. Je dois dire que nous retournons encore dans la case de départ là. Quand que là, pas une question de pays qui a parlé, toutes les choses là sont questions d'intérêt personnel. C'est comme les copes que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons gagné okay, pour nous capables d'exister économiquement. Mais c'est dommage pour le pays. Et ça crivait là tout, monsieur le président. Ouais, et les bambous, ça finit. Parce que je suis mettre ça là, les bambous, je vais le dire. Bambous, ça finit. Bambous. Nous pourrons aller qui reste président Jovenel Moïse, qui est contre l'IA. Est-ce que le suffit pour tout mettre ça? Est-ce que tu restes, est-ce que tu restes qui devait être nommé président Jovenel Moïse? Est-ce que le suffit pour tout mettre ça? Qui devait être nommé président Jovenel Moïse? Est-ce que le suffit pour tout mettre ça? Est-ce que le suffit pour tout mettre ça? Parce que c'est pas le gars encore. Son tigas qui t'est quitté. Donc, où est-ce que je parce que Jovenel Moïse, son tigas est quitté. Et c'est sous tigas là, les gars boumé là. C'est sous tigas là, y'a boumé là. Et sous tigas là, boumé. Est-ce que tigas, Jovenel Moïse, quitté, il suffit pour tout fauve ça yo. Voilà, voilà, voilà. Merci au mille, monsieur Daïti, merci au mille. Merci infiniment, monsieur le président de Dieu. À demain, matin débat. Merci au mille. Matin débat, pour que nous apparaissons avec nous. Mais, seul bagage, c'est que dans matin débat, la bonne vérité. Oui, l'on parle de vérité. Et l'on parle de vérité, c'est attaquer ou décider de attaquer ma télé. Nous avons un problème pour attaquer. Hier après-midi, je recevais deux appels. C'est deux numéros de SIM card parce que je retourne en appel et puis c'est SIM card. Ok? Des gens qui ont fait menace. Même si on a fait menace, ou même fait menace. Mais c'est arrivé bien. Et je dis ça, je dis, nous-mêmes, capteurs de l'émission à télé, la vie m'en danger. Pour ça, la vie m'en danger,